Eh bien salut tout le monde, c'est Chacha King et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je vous dois quelques explications. Vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien c'est parce qu'en fait, j'avais déjà tourné une première vidéo en fait. Mais le seul souci c'est que ça me convenait vraiment pas en fait ce que j'avais fait. Elle était vraiment très ennuyeuse en fait. À part conduire, effectivement conduire, à part construire en fait la baie à véhicule mobile, baie à véhicule mobile, encore une fois, je me trompe, la chambre d'immersion, voilà. À part construire la chambre d'immersion, en fait, j'avais rien fait du tout pendant cette vidéo. Du coup, j'ai vraiment trouvé que c'était pas ouf du tout. Et j'ai décidé en fait de refaire la vidéo complètement. Je vais peut-être vous passer 2-3 extraits de ce que j'avais fait pendant l'autre que j'ai trouvé vraiment pas ouf. Genre là maintenant, si je le fais pas, c'est que j'avais pas envie de le faire au montage. Et aussi ce que j'aimerais dire c'est par rapport aussi justement voilà à mes montages en fait. En fait ça m'énerve énormément par rapport à mon montage parce que je vous laisse parfois des petits textes sur l'écran et tout ça pour vous dire ah bah tiens j'ai fait tel truc, tiens j'ai fait ça. Sauf que à chaque fois, en fait, je comprends pas pourquoi c'est mon logiciel de montage qui fait ça. En fait, souvent, ça prend pas en compte le fait que je vous ai laissé un petit message, un petit truc comme ça. Et du coup, c'est super énervant pour moi parce que ça gâche un peu mes vidéos. Par exemple, dans le dernier épisode, je vous avais fait un accéléré et j'avais dit ouais, c'est parce que j'ai rien trouvé. Du coup, je vous ai fait un petit accéléré. Je pense que c'est que vous en êtes peut-être douté que j'ai fait ça pour ça. Mais ça se trouve en fait vous le saviez pas et du coup c'est vraiment dommage en fait. Mais bon c'est comme ça, va falloir que je réussisse à trouver comment me débrouiller avec ce superbe logiciel de montage qui est DaVinci Resolve. Et là en fait pendant que je parlais en fait on s'est dirigé par ici. Ici qu'est-ce qu'il y a apparemment? On a un architecte alien et désolé à toi petite bestiole, je viens de te littéralement éclater la tronche. Donc du coup nous en fait on va partir en exploration hein, puis ouais du coup c'est ce que je comptais faire en fait pour cet épisode, c'était vraiment faire de l'exploration. Et là du coup en fait ceux-là je les avais fait dans le dernier l'épisode que j'avais tourné mais qui est vraiment pas ouf du coup vous avez pas pu les rencontrer mais ça en fait c'est des petites méduses. Elles sont totalement pacifiques, elles vous suivent de leur œil, elles vous suivent de leur œil normalement. Avant elles faisaient ça mais maintenant elles te suivent plus mais par contre déjà voilà en fait elles te mettent un petit coup de jus. Et puis voilà, après j'ai pas grand chose d'autre à dire sur elle. Je vais vite fait voir à la surface si on n'a pas un accès, un truc comme ça par ici. Ok, on a peut-être des trucs. Là on a déjà des plantes donc je pense qu'on est pas loin de. D'accord, bonjour toi. Le pauvre. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est désolé en fait par rapport au bruit de micro que vous entendez, plutôt de souffle dans le micro que vous entendez souvent dans mes vidéos. C'est en fait moi j'utilise un casque micro et du coup c'est peut-être pas forcément très ouf. Il me fait vraiment pitié, je vais le. Attendez, il me fait vraiment pitié, je vais le relâcher dans l'eau parce que là vraiment il me fait vraiment pitié ce pauvre Piper. Voilà. T'es content Kiki? Ouais, il a pas l'air très intelligent quand même. Donc du coup oui, désolé par rapport au bruit de micro. Et aussi du coup vous allez probablement avoir plus de vidéos pendant les vacances. Parce que j'aurai plus de temps pour moi quoi en fait, plus de temps pour YouTube. Peut-être une vidéo tous les 3 jours, voire tous les 2 jours, je sais pas, ça va être quand même un rythme assez soutenu tous les 2 jours, du coup je sais pas trop. Et aussi, ce que j'oublie à chaque fois de faire en début de vidéo qu'il faudrait que je fasse, parce que sinon souvent les gens regardent pas mes vidéos jusqu'au bout, du coup ça me référence moins bien et que je leur dise pas ça au tout début des vidéos, c'est n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire, à lâcher un like si vous aimez ce genre de vidéo, franchement ça. Moi ça m'aide énormément, mais vraiment quand on dit que ça, quand les youtubeurs vous disent que ça les aide énormément, c'est vrai, vraiment c'est pour le référencement, c'est exceptionnel en fait, d'avoir un commentaire like en fait, c'est YouTube il comprend que la vidéo elle est aimée par des gens, elle est vue par des gens en fait. Et du coup ça fait vraiment que en fait ça permet vraiment de bien développer la chaîne. Et pourquoi je suis sorti, je vais pas sortir tout de suite, je vais rester dedans pour l'instant. C'est comment en fait? Est-ce que je peux. Ah, je peux pas, d'accord, je peux pas en sortir vraiment comme ça.
Et du coup, nous, on a fait toute la route, et c'est en fait parce que, bon, ça du coup, vous saurez pas ce que c'est vraiment, mais bon, voilà. En fait, nous, ce que je voulais qu'on aille faire, c'est en fait, là, on va se diriger ici. Nous, actuellement, si je me trompe pas, à mince, finalement, en fait, genre, on est peut-être ici, nous. On serait peut-être par là. Bon, de toute façon, je vais aller explorer. Parce que voilà, je l'avais dit. De toute façon, cet épisode, je voulais peut-être faire de l'exploration. Ouais, non, si, c'est bon, on est là-bas. On est là où je pensais qu'on serait. Je voulais peut-être faire de l'exploration. Et du coup, bah, c'est. De base, je voulais construire la base. Voilà, pardon, je me suis un peu embrouillé. De base, je voulais construire la base. Mais finalement, on va faire de l'exploration. Parce que voilà, quoi. Et à mon avis, ça se doit pouvoir se manger. Eh ben non, même pas. Là, je suis déçu. Et aussi, justement, vu qu'il y a les vacances de Noël qui approchent et tout ça, moi, grâce à ça, je vais pouvoir me faire un double screen en fait. Et rien que déjà pour vous, pour les vidéos, vous aurez plus du semi 4 tiers en fait. Vous aurez. Bah, ce sera beaucoup mieux, vous verrez. Et rien que ça va vraiment faciliter la vie. Mais par contre, le fait que ça pleuve comme ça, c'est. Ça pleut. Effectivement, il pleut actuellement. Il ne neige pas du tout, il pleut. C'est vraiment pas pratique. Et hop, signal perdu, effectivement, parce qu'on est à la surface. Nous, du coup, on va aller explorer. Parce que c'est un peu ce que je voulais qu'on fasse. Et regardez comme c'est classe, les méduses, elles brillent sous l'eau. C'est vraiment sympa. Oh, un petit kit de sang, ça fait plaisir, j'en avais plus aucun. Est-ce qu'on a un PDA qui traîne par là? Non, ok. Oh. Ah voilà, ça c'est vraiment ce qui est magnifique dans ce jeu, c'est vraiment les aurores boréales comme ça, avec la petite planète, c'est vraiment magnifique, franchement, ce jeu il est vraiment magnifique, celui-là de Subnautica, j'adore. Moi va falloir vite que je trouve une grotte parce que sinon je vais mourir de froid, et ce serait un peu embêtant de mourir de froid même si je respawn dans mon All si Terra Facility Beacon detected nearby. Unique Identifier. Fire Robotics Center. Est-ce que je peux me réchauffer par là? Non. Allez, dépêche-toi, une grotte, s'il vous plaît, une grotte. Oh yes, nickel. Oh, ça c'est super bien ça. Des piments fiévreux? D'accord. Ok, bah je vais en récolter 2-3 histoire d'en planter peut-être chez moi et on n'y voit vraiment rien. J'aurais vraiment mieux fait de m'acheter effectivement, s'acheter des trucs dans Subnautica, on les fabrique pas. De me fabriquer une lampe torche. Et là, du coup, comme vous pouvez le voir, on arrive dans une base. Et ça fait vraiment plaisir de la trouver. Plutôt de la trouver. En fait, cette base, c'est la seule que j'avais explorée quand j'étais tout seul en fait. Quand j'ai commencé vite fait une petite partie en solo, que j'ai supprimée d'ailleurs depuis. Récupérer plantes à vase givrée. Ok, vraiment, on a plein de choses ici. Et du coup, ouais, cet épisode, il va vraiment être full en termes d'exploration, je pense. Je vous ferai peut-être une petite visite de ma base, du coup, parce que je pense qu'au final, au montage, je vous aurais pas foutu. Oh, 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 putain. J'ai eu peur, punaise. Oh, ça fait plaisir de découvrir. C'est des pingouins espions. Genre, c'est des petits pingouins, sauf que, genre. Bah c'est des pingouins avec espions en fait. Franchement c'est nul. C'est vraiment nul là par contre je sais pas ce que j'avais à dire, c'est vraiment débile là par contre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va devoir aller se réchauffer un petit coup. Bonjour monsieur le geyser, réchauffez-moi s'il vous plaît. Et du coup je vais peut-être prendre ma petite miniature par ici moi. Ça pourrait être sympatoche. Et là, j'aimerais ne pas mourir de froid. Est-ce qu'il y a. Mais non, il n'y a pas d'eau parce que sinon ce serait trop bien. Oui, je sens le cœur qui bat, effectivement. Oui, je sais, je sais. Vite, 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 vite. Ah, le cœur qui bat là, comme ça, je trouve c'est vraiment classe. Centre fibre robotique. Ok, c'est classe. Et hop, voilà, c'est bon, on peut se réchauffer. Waouh. Elle a pris vraiment cher cette base. Ok. En vrai, je vais prendre mon petit screen par ici. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire un screen? En vrai, en fait, je sais qu'on peut en faire un là comme ça. Sauf qu'après, derrière cette capture d'écran, je sais pas comment la récupérer. Donc, faudra que je me débrouillerai. Je ferai ma petite capture d'écran par ici.
Ok. Ah mince, voilà, je viens de retrouver ce qui me manque. Mais bon, je vais essayer de me débrouiller sans. C'est en fait, c'est le... Comment? Oh, yes, ça fait plaisir. La grande salle, il m'en fallait une bah, pour ma base, du coup, ça va être... Elle va être vraiment sympa, cette base, vous verrez. Par contre, ça en met du temps à scanner, donc. Ok, ça fait plaisir. New blueprint synthesized. Ok, là, il y a l'air d'avoir rien derrière. Est-ce qu'on a des trucs? Non, on n'a rien par ici. Du lubrifiant? D'accord. Pardon, j'ai bugué sur le lubrifiant. Là, je... Ok. est-ce qu'on a des trucs à scanner? Oh, c'était quoi ça? Oh! Chargeur de pile, chargeur de batterie haute capacité. Ah non, chargeur de batterie. Ah, j'ai cru que c'était un haute capacité. New blueprint synthesized. Ok, là y'a rien à scanner. Pas récupéré, non. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Ah, toujours cette photo. J'aimerais vraiment savoir d'où elle vient. Je mènerai peut-être ma petite enquête et je vous ferai une vidéo pour celle-là. Oh, le cadre photo, ça fait plaisir. Je vais pouvoir mettre mes screens. Bah voilà, en fait, je vais pouvoir prendre en screen en fait les trucs que j'aurais découvert. Il doit y avoir une tempête d'or. À mon avis, il y a une tempête d'or. Tac, on va scanner ça aussi. Tac, le petit BDA. Ça se scanne pas. Oh! Cool, ça fait plaisir. Et ça, je sais pas ce que c'est, on peut pas y récupérer. Oh, un Refillable thermos! flask to store dispensed Oh! contents from the coffee machine, Mais c'est or nickel tea, ça! or any other hot drinkable liquids you may find. Et bah maintenant, comme ça, j'aurais même plus besoin de m'en crafter un. Oh! Oh, sympa! Oh, punaise, par contre, j'aurais peut-être plus de place. Va falloir que je les bouffe les fruits et il faudra que je revienne plus tard. Qu'est-ce que c'était? Ah! Un frigo! D'accord! Un frigo, je pense c'est peut-être. Ah, mais oh, si c'est vraiment ce que je pense, genre. Si c'est pour. Comment? Pour garder votre nourriture, ça doit être vraiment très utile par contre. Et là, on a une porte qu'on ne peut pas ouvrir, donc je vais devoir passer par l'autre côté à mon avis. Et on a un petit PDA ici. Qui même me suivent. Ah, ça c'est Sam, je crois, à l'image là qu'on a. Robin? Non, Sam, oui, Sam, pas Robin, parce que Robin c'est nous, si je me trompe pas. Ah. Bon, on ira y voir après ça, mais je pense que normalement, si vous avez joué ou vous avez regardé un let's play ou le mien carrément de sur l'ancien Subnautica, plutôt sur le premier Subnautica, vous devez savoir ce que c'est à tous les coups ça. Mais d'abord, on va peut-être finir Sam l'exploration d'ici. loved working here with her spy pinglings. Do all humans like work? The lucky ones do. Are you lucky? I used to think I was. Ok, là on a eu un tout petit dialogue pas forcément extrêmement intéressant entre, entre dialogue et Sam, effectivement, entre Alan et Sam. Sam ou Robin? Mince. Robin, oh là là, je suis pas très doué aujourd'hui, disons que. Est-ce qu'on a des petits trucs à scanner? On a de l'eau filtrée. Ah, mon inventaire est plein, ok, bon bah. Voilà, mon inventaire est plus plein, ça y est. Ça c'est déjà scanné et du coup il y a des pauvres petits poissons qui sont restés enfermés ici. Oh! Yes, ça fait plaisir. La combinaison polaire ça va m'être très très utile. Oh! Il est sympa ce lit. Lit 2 étages, ok. New blue. Oh, classe! Eh vraiment, on a pas mal de choses sympas ici. Encore un kit de sang, je vais peut-être. Ah non, bah je suis full en termes de vie. Ah là, je vais vraiment avoir de quoi faire une très belle base. Oh, c'est quoi? Combined with a frozen water source, water purification blueprint synthesized drinkable water as you explore the snowy surface. Pour créer de l'eau potable. D'accord. Ok. Carte du bassin glaciaire. Oh, trop cool. Ça va être vraiment utile parce que du coup, grâce à ça, on va pouvoir se repérer pas mal. Ok, d'accord, donc j'avais déjà l'idée de Sam. This must have been Sam's room. Oh! But something's not right. Ok. Des petits trucs de déco. Oh. Ok, ça peut pas se récupérer. Bah, je crois qu'on aura fait le tour. En fait, le souci. Ouais, non. Je vous explique juste après là, je veux juste finir d'explorer. Ouais, ok. Non, bah du coup, ok, j'ai fait le tour. Je vais vite fait juste trier un tout petit peu mon inventaire.
Découpeur laser, j'ai déjà, ça me sert à rien. Oh, Snow Fox, oui, ça c'est utile par contre. Nickel. Et là, je pense qu'on est bon. Je vais regarder un petit peu au niveau de mon inventaire ce que je peux me débarrasser, ce que je faut que je garde. Le thermos, je le garde parce que ça va vraiment m'être utile ça. Des piles, ça fait vraiment beau. Au pire, je vais balancer celle-là et puis c'est pas grave. Du coup, après à côté de ça, il y avait ça que j'ai pas scanné en fait pour commencer. Et en fait, j'ai déjà oublié en fait ce que je voulais vous dire. Ça me saoule, j'oublie tout à chaque fois, c'est super énervant. J'espère d'ailleurs ma voix sera assez forte parce que parfois j'ai l'impression de parler pas assez fort pour mon micro. Ok, là en fait j'ai scanné un truc. Bon, le Snow Fox, en gros je vous explique, c'est un petit véhicule terrestre en fait parce que ce Subnautica il se dirule, effectivement, c'est Hyrule par ici. Oh, du minerai d'argent par ici. Ok, ça c'est une veine de minerai. Les veines de minerai c'est très très utile, vous verrez. Ok, et je peux pas passer par là. Donc ce Subnautica il se déroule un peu plus sur la Terre comme vous avez pu le remarquer en fait. Et du coup bah ça fait qu'on peut obtenir ces fragments en fait de Snow Fox. Et le Snow Fox on le fabriquera, vous inquiétez pas. Je me ferai peut-être même une petite base terrestre à voir. Encore de l'eau, ça fait plaisir parce que l'eau c'est un peu la dèche chez moi. Quitte de soin, on s'en fout. Et c'était ça le plus intéressant. Juste avant, est-ce qu'on a un petit truc à scanner? Non, on a rien à scanner ici. Et on a une arche alien, plutôt un téléporteur alien du coup. Juste ici, et c'est à peu près tout ce qu'on a en fait. Là je l'ai scanné, mais du coup Alan il m'en a pas du tout parlé. C'est un peu dommage, je pensais qu'il m'en parlerait un peu. Mais bon, et du coup je vous disais bah tout à l'heure en fait c'est dommage qu'il me manque un certain objet. Parce qu'en gros là je peux pas. En fait je peux pas passer pour aller de ce côté là. Et il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses. Mais moi par contre j'avais réussi à me coincer genre juste ici. Je sais plus comment j'avais fait et je veux pas me recoincer, du coup j'essaierai pas. Mais du coup faudra que j'ai le répulseur ou un truc comme ça, je sais plus son nom exact. Mais sinon on aura fait on aura fait le tour d'ici. Oh. Voilà, ça c'était sûr, bah je vais pouvoir bouffer du coup un. Tac, en prendre un. Voilà, on va manger ça, comme ça ce sera fait au moins. Oups, mais c'est horrible ça, c'est stalactite, mais c'est vraiment fait pour faire peur aux gens, c'est fou ça. Hop, on a de l'eau désinfectée. Du coup je pense on va partir un peu en exploration par ici parce que. Parce que sinon en vrai je sais pas où on pourrait vraiment aller. Faudrait que je. Pour le prochain épisode, n'hésitez vraiment pas à me dire d'ailleurs. Ah. Ça m'embête un peu ça, je peux même pas aller explorer du coup. Et bah au pire vous savez quoi, je pense qu'en fait on va essayer d'aller voir un maximum d'architectes aliens effectivement. De trucs d'architectes parce que ça pourrait être vraiment utile. Et genre ça pourrait nous apprendre plein de choses. Ouais. Du coup faut juste que je réussisse à atteindre de nouveau mon sea truck et on sera bon. Je pense que j'ai clairement pas pris le bon chemin pour y aller. On va juste faire demi-tour je pense en fait hein. On va repasser par le chemin qu'on a déjà pris. Du coup moi je vais faire une petite ellipse le temps de retourner à mon sea truck. Et du coup on se retrouve juste après. Ça y est, on se retrouve et finalement je suis pas allé tout de suite à mon sea truck en fait. Parce que y a Alan qui vient de me parler. Je vais juste aller vite fait dans l'eau histoire de pas mourir. Voilà. Voilà, comme ça elle se réchauffe. Et en gros Alan ce qu'il vient de me dire ok, c'est qu'il y a quelque chose de l'autre côté du pont, quelque chose qui compterait pour Altera et genre qui compterait encore plus pour Alan en fait apparemment. Et du coup je vais retourner vite fait au pont. Et il faudra que je me fasse la tenue polaire là du coup. Comme ça pourra me permettre d'être tranquille au moins quand je suis ici. Et en gros ce pont, ce qu'il faut savoir c'est que du coup bah il est endommagé. Et comment on répare ce pont? Et bah en fabriquant quelque chose dont je me souviens même plus ce que c'est en fait. On le répare en fait genre avec ce truc là, faut juste que je le scanne. Voilà, en fait il faut un fluide hydraulique en gros et le refoutre là à l'intérieur. Et après on aura accès à une nouvelle zone. Et ça c'est une nouvelle mécanique qui était pas dans. Oh, ouais, voilà, j'étais bloqué. Ok, je peux sauter là. Voilà.
C'est une nouvelle mécanique qu'on n'avait pas en fait dans l'autre Subnautica, genre d'avoir un truc qu'on peut réparer pour pouvoir accéder à une nouvelle zone en fait. On avait les trucs aliens, genre qui nous permettaient de bah, d'obtenir bah, d'entrer chez les aliens et tout ça. Mais on n'avait pas cette mécanique là vraiment de réparer en fait, donc c'est vraiment sympa ça aussi. Et là du coup bah moi oh c'est quoi ça? Ramasser. Ah, c'est dégueu. Ouais, c'est bizarre, ok. Donc du coup, là je vais me diriger vers l'architecte alien. En effet, encore une fois, c'est un architecte alien. Vers l'artefact alien qui est par ici. Parce que je me demande personnellement ce que c'est. Et on a Another site aucune idée. found. Perhaps its data will tell me something useful. I Ok. have collected enough data to extrapolate the location of a component necessary to assemble my body. I will provide a Oh. signal. Ok, ça fait Signal plaisir. location uploaded to PDA. Générateur d'énergie, ouais, c'est bien ce que je me disais, c'était un générateur par ici. Et sinon, à part ça, ouais, on a encore pas mal de cubioniques. Les cubioniques, faut vraiment que j'en récupère la blinde parce que c'est vraiment utile. Ok, fragment de corps d'architecte, ok. Donc ici, mince. Oh là là, il y a quelques soucis avec les collisions par contre sur celui-là de Subnautica. C'est un peu embêtant par contre ça, je trouve. Est-ce que ça m'a enlevé l'emplacement du coup? Attendez, je vais m'éloigner. Voilà. Ok, ça y est, c'est bon. Parce que là, franchement, je commence à en avoir un peu beaucoup. Ok, ça m'a retiré l'emplacement. Je veux juste voir. Ok, ça l'a retiré. Artefact Alien X3. Ah, ok, ça a retiré que celui-là. D'accord. Bah, du coup, je vais juste vérifier la longueur de mes rushs, peut-être. Mais sinon, je pense qu'on va partir pour. Oh. How do humans function with such a fallible and inferior body? Excuse you, my body is anything but inferior. I work hard for my body to be able to do what it does. Yes, but its overall form is not ideal. For example, consider its use of primitive ball and socket joints. Is there anything you don't find primitive? Humans bartered with evolution to get more brain wrinkles and opposable thumbs. It is true, the opposable thumb is excellent. But all corporeal forms are temporary. The ability to be reborn when a body breaks down is paramount. My body is my own and I cherish it. It grows with me. Humans have one life. We plant trees we can never experience the shade of. We build for the next generation. Noble, but again, truly inefficient. You are incredibly frustrating, you know that? I hope to see the forms of my people again. Ok. Bon, c'était une petite discussion assez drôle entre Robin et Alan. Mais du coup, moi je vais vérifier la longueur de mes rushs pour savoir si j'ai le temps d'aller jusqu'au conteneur de corps d'architecte. Et du coup, moi je vous retrouve tout de suite soit pour la fin de la vidéo, soit bah, du coup pour finir cette vidéo en beauté avec bah, la découverte d'un morceau du corps d'Alan en fait. Qui va nous permettre justement de le faire sortir de notre tête et bah, de pouvoir qu'il ait un corps en fait et qu'il puisse peut-être nous aider à nous échapper de cette planète. Du coup, à tout de suite. Et ça y est, on se retrouve et on a un joli petit Cryptosuchus juste en dessous de nous qui va probablement essayer de me goumer. Voilà, je l'attendais. Ok. Il m'a même pas eu. Je crois qu'il est juste derrière moi. Ah non, même pas. Bah non, bah du coup, il a même pas essayé de me tuer. Du coup, j'ai vérifié un petit peu la longueur de mes rushs. Je préfère, genre, vous faire une mini-visite en fait de ma base et peut-être faire un tout petit peu de déco en fin d'épisode avec vous. Plutôt qu'en fait d'aller au fragment de corps de Alan. Du coup, ça, on y fera dans le prochain épisode dès le début. Ça, je vous le jure. Ça sera fait dans tous les cas. Vous aurez peut-être d'ailleurs au passage, ça n'a aucun rapport, mais vous aurez peut-être Welcome une petite aboard, vidéo sur Captain. Fortnite qui va arriver parce que j'ai envie. Pour la saison 5, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, si je me trompe pas, bah de faire un petit truc. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on a la chambre d'immersion déjà. Ça fait plaisir. On va réparer un peu tout ça. Allez, répare-toi, 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 répare-toi. Voilà, ça c'est fait. Ok. Du coup, on a aussi fait le petit truc là. N'hésitez pas, du coup, pour le prochain épisode aussi, à me donner bah, des couleurs que vous aimeriez peut-être que je mette pour le Sea Truck. Parce que ça serait vraiment sympa de votre part.
Sinon, bah, il y a ma chambre, elle est toujours pareille, hein. J'ai pas fait grand chose, juste en fait j'ai renforcé les murs et on va mettre peut-être un petit peu de musique. Voilà. Du coup, moi ce que je pense que je vais faire, c'est que bah, pour le prochain épisode, je vais décorer de ouf la base, du coup comme ça je pourrais vous la présenter, je vais foutre des posters, je vais foutre plein de trucs pour que ce soit vraiment sympa de ouf. Par exemple, j'aimerais bien, histoire de vous montrer un peu. Voilà, tac. J'aimerais bien en fait faire une salle où genre sur tous les murs on aurait. Ok, déjà je me ferai une grande salle dans tous les cas, ça c'est sûr. Non, c'est pas là, c'est où déjà? C'est dans les utilitaires. Ok, j'aimerais bien faire une salle en fait où genre j'ai des armoires murales partout et en fait genre dans chaque armoire il y aurait un seul truc. Genre une avec du caoutchouc, une avec du soufre, une avec des cubes ioniques. Une avec du diamant, voilà, en gros, bah, de toute façon, vous voyez ce que je veux dire, dans tous les cas, je pense. Mais du coup, je pense que du coup, cette vidéo va, bah, va toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, comme chacune des vidéos que je fais, j'espère à chaque fois qu'elle plaise aux gens. Bah, du coup, si elle vous a plu et que vous êtes toujours là, parce que ça fait vraiment plaisir que les gens regardent jusqu'au bout mes vidéos. D'ailleurs, du coup, si vous avez regardé jusqu'au bout cette vidéo, genre écrivez Reaper Léviathan ou un truc comme ça dans les commentaires pour me dire que vous avez regardé jusqu'au bout. Et sinon, bah, sur ce, bah, est-ce que... n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, laisser un commentaire comme je le dis à chaque fois. Et sur ce, moi je vous dis bah, à la semaine prochaine ou peut-être à mercredi du coup si je sors cette vidéo sur Fortnite. Pour, bah, du coup, pour une toute nouvelle vidéo sur Subnautica, ça manquera pas toutes les semaines comme d'habitude, je suis au rendez-vous. Et bah, sinon, du coup, ouais, bah, c'était Jaja King, à la semaine prochaine, salut!